dernièrement à Occupation Double. La prochaine fille que je vais embrasser, il n'y a plus d'autre, là, OK? Oui, je fais peut-être un peu durer le plaisir, mais comme que je dis, je veux prendre la bonne décision. Tout le voyage, j'étais comme, je fous quand même Jen. Genre, je peux pas manquer ma chance avec Jen, tu vois. Mais va connaître Jen! Si t'as la moitié de ton cœur là-bas, je m'en vais. J'écoute-moi, si ça a plus de sens. Si je fais ça, je gâche mes chances avec LP. Je suis mélangée. La dernière fois, tu t'es pas écoutée. Non. T'as regretté. Écoute-toi, cri. On a décidé de laisser partir Étienne. On a perdu un boy quand il y a encore de la vidange qui reste à vider l'autre bord. Ça fait chier. Au revoir! Ce soir. Comme à tout. T'es mélangé, je suis mélangé. Qui va les mélanger? Si que je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, là. Comme une gomme en tout ton soulier, tu partout et pis il s'enlève pas, il reste là. Ouf. Semaine, un mois gros, max. La chaîne, ça va passer, man. Ils m'ont arraché les souches, mon gars. Il y a une affaire qui... Les souches! Il est pas enlevable, les souches! Un gros, quatre, moi, déjà. Quand on avait coupé son arbre, mais là, il reste encore les souches, on s'enfarge tout le temps dedans. Je crois pas que Kev a des sentiments sincères pour Jen. Je crois que Jen a des sentiments sincères pour Kev. Mais pas le contraire. Aujourd'hui, c'est la 5e édition de la Journée qui a du chien, une initiative du groupe V-Média au profit de la Fondation Mira. Absolument. Et pour l'occasion, on vous a préparé une date complètement à l'aveugle. On ne vous révèle pas où vous allez, ni même avec qui vous y allez. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez vraiment vous amuser. Et le chanceux est Louis-Philippe. Yeah! Et la chanceuse... Et Jennifer. Oh! Alors, c'est bien cool! Ça va être le fun! En touchant ses bras, que j'ai su que c'était LP, parce qu'il est quand même très bâti. Félicitations. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas, c'est une surprise. How you doing? Nice to meet you. So we're going to do an activity that involves the beach, the chilly Atlantic Ocean, and some boards. We're going to stand up paddleboard. Okay. You guys ready for that? Yes. Oh non, on va faire du paddleboard avec ces grosses vagues là. Ah, c'est pas si peu. Il a fait un bel effort, mais il est tombé au moins une tonne, pas dans l'eau. Moi, ça m'a fait bien rire. J'essayais de regarder Jennifer comment elle se débrouillait, mais je me concentrais plus sur moi-même parce que j'arrêtais pas de tomber. OK, le dos est debout. Yeah! Ouais, le dos est debout! On était super fiers d'être debout. En même temps, ça a pas duré longtemps. Oui, on a eu une belle activité. Mais on voulait vraiment avoir un temps, juste nous deux, pour parler puis mettre les points sur les i. Toi, tu m'avais dit avant que okay, ouais, c'est friendzone au max avec... Attends. C'est friendzone au max avec Kevin. Il me dit la même chose. Puis là, après lui, il va me dire, ouais, tu vas voir, Jen, c'est une fille vraiment cool, blablabla. Puis tout hier soir, j'étais comme, est-ce que Jen est en train de mentir? Est-ce que t'es en train de jouer une game? Je ne joue jamais. Puis, c'est pour ça que je voulais avoir un moment avec toi, parce que je sais que tu voudras t'expliquer. Ben, puis... Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai eu le moment avec Kevin, on a mis les choses au point. Mais, tu sais, je sais pas moi ce qu'il veut, là. J'en ai aucune idée. Tu sais, il s'est retourné de bord assez vite, là, avec Camille, tu comprends? Moi, un de mes défauts dans la vie, c'est que je crois tout le monde. Parce que moi, je suis honnête avec le monde, je dis ce que je pense. Puis moi, je m'attends à la même chose des autres, fait que je les crois facilement. Puis c'est là que moi, je me mets une barrière un peu. Ben, tu sais, quand il m'a dit qu'il avait envie de m'embrasser, je me suis reculée. Aussi... Je te cacherai pas que j'ai une attirance envers Kevin, oui. Non, ça, c'est sûr. Ça serait mentir, tu vois.
Tu vois, là, t'es honnête avec moi. Là, j'aime ça parce que... Oui, je suis honnête. Je vais toujours être honnête. Là, honnêtement, je ne joue pas de game. Moi, je suis vrai. Je vais rester vrai jusqu'à la fin. J'aurais aimé passer l'activité avec Rim, mais j'ai vraiment été content de passer l'activité avec Jennifer pour clarifier beaucoup de choses ensemble. Je vais pas le cacher, j'ai passé un magnifique voyage avec Rim, mais j'avais une arrière-pensée qui me disait comme... Tu sais, à la maison, il y a Jen. Je la connais pas beaucoup, mais j'ai vraiment l'attirance envers elle. Puis... Je vais t'avouer, dans la vie de tous les jours, je me verrais plus avec un gars comme Kevin que toi. Parce que je vais être honnête avec toi, j'ai dit ça au souper d'élimination. Par contre, je vais laisser une chance à Alpé, puis je vais me laisser une chance à moi d'apprendre à te découvrir puis à te connaître. Comme je suis mélangée. Non, je sais plus. Je pense que t'es mélangée, je suis mélangée, Kevin est mélangé. Mais j'ai dit à Rim que je la voyais beaucoup avec toi. Je trouve que vous foutez beaucoup ensemble. Je m'en doutais après le voyage que ça serait Rim que je choisirais. Mais aujourd'hui, c'est confirmé. Rim, j'espère que t'es prête. En bout de ligne, je la trouve vraiment nice, cette fille-là. Je me demande, je suis capable encore de penser à elle? Je me mets à ta place, c'est sûr que je penserais. Moi, je te trouve bon, man. Tu sais, j'ai pas envie de m'afficher, mais j'ai pas envie d'être genre tout seul dans mon coin. T'sais, je sais qu'au prochain party, j'ai passé du temps avec Jen pis tout, mais. Ben, c'est ça. T'as quand même Jen qui te laisse sortir, qui t'a quand même encore dans. Jen, oui, elle m'intéresse, mais. Tu sais, j'ai pas nécessairement envie de faire du progrès avec elle ici en ce moment. Ça sert à rien. Je comprends. Il y a une attirance, mais c'est pas un match parfait. Après le 5 à 7, elle m'a laissé sous-entendre que c'était friendzone. J'ai pas poussé ma luck. Puis au party, c'est elle qui m'a approché. C'est là qu'elle m'a dit, tu sais, Kev, en bout de ligne, genre. Tu sais, genre, je trippe sur toi, là. Ah ouais, hein? Tu sais, Kev a pas d'affaire à être jalouse en ce moment, là. Elle dit qu'elle était jalouse du moment que j'ai eu avec Jen. Mais c'était Jen qui pour dit, vrai, je m'excuse, hein? On s'en parlera. Man, c'est quoi qui se passe dans ta tête, là, fille? Tu peux pas avoir les deux chums en même temps, là. C'est un de mes meilleurs chums, là. Ça changera jamais, 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 jamais. Elle voulait me parler, je veux savoir qu'est-ce qu'elle veut me dire. C'est que je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, man. Est stratégique, c'est sûr, là. 100%. C'est juste que, tu sais, en donné, bloque-toi, là. Parce que moi, j'ai l'impression que t'as fait ton choix, là. À venir à Occupation Double. Mon top 2 est Camille. Oh! Comme une dernière activité que Carl a eue, mais il l'a eue avec Camille. Oh, j'ai trouvé! Woohoo! Jen a trip sur Kev fois 1000. Encore? Oui. Pepito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double. C'est fait. On a fait du paddleboard. Ça va? T'es avec qui? Je suis avec Jennifer. Bon! On n'a pas vraiment beaucoup parlé, hein? Puis on s'est frenché tout le long. Ouais? Non, c'est pas vrai. C'est qui? C'est avec qui? Avec LP. Oh! Avec LP. En fait, j'avais un loup. Juste en touchant ses bras, je savais que c'était LP. Ouais. Avez-vous un moment? Oui, un petit moment. Là. J'ai parlé de lui, Kevin. Lui m'a demandé pour moi. J'ai été honnête avec lui. J'ai dit, tu sais, d'habitude, t'es pas le genre de gars que j'aurais été dans la vie de tous les jours. J'ai dit, mais je vais me laisser une chance. Puis j'ai dit, mais je te mentirais pas, il y a une attirance avec Kevin. C'est pas fermé avec Jen, whatever. Mais moi, dans ma tête, mon choix est plus vers Rim. Il a parlé de Rim, à quel point il avait passé un beau voyage avec elle, puis qu'elle avait gagné énormément de points. Ben, elle m'a dit, Rim est vraiment, vraiment, vraiment dente sur toi. Là. Je lui ai dit, moi aussi, je suis vraiment dente sur Rim, puis je voulais juste pas faire de choix. Puis on se l'est dit que notre French était impulsif. Là, après, on parlait de game, puis j'ai dit, j'ai jugé trop vite Kevin. Puis là, après, j'ai dit, moi, je pense que c'est Camille qui joue la plus grosse game ici. Oh! Là, elle a dit pourquoi? Là, j'ai dit, je sais pas, c'est ce que j'entends par-ci par-là. Fin de la discussion. Ouf. Toi, y a-t-il une personne qui ressort plus? Je sais pas. Moi-même, faut que je prenne une décision, lui aussi, puis c'est cette semaine que ça va se faire, puis faut que ça se fasse, là. Aujourd'hui, on vous propose une activité complètement unique. C'est la 5e édition de la Journée qu'il y a du chien, une initiative du groupe V-Média au profit de la Fondation Mira. Et pour souligner cette journée, on vous a préparé une petite activité pas piquée des verres. Et avant de vous en dire plus, je vous invite à regarder ce petit montage. Mon top 2 est Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Mon top 2 est Alexandre. Mon top 2 est Alexandre. On a-tu tout dit Alexandre? Mon top 2 est Camille. Oh, hey, belle ta photo. Merci. Alors, mon top 2 est Jennifer. Mon top 2 est Jennifer. Ah, OK. Alors, mon top 2 est Jennifer. Hein? C'est sûr que ça fait mal à l'ego, ça fait mal à moi. Mais je suis restée sereine et calme. Alors les garçons, vous aurez compris que pour cette activité, vous ne serez pas jumelés à votre top 1, mais plutôt la personne que vous considérez comme étant votre top 2. Deux filles ont été sélectionnées pour vivre cette activité.
Et ses filles sont Camille et Alexandre. Alors les garçons qui auront la chance de vivre ce moment complètement incroyable pourront partager un repas avec leur top 2 complètement dans le noir. Nice! En plus de la nourriture, vous pourrez déguster des bulles de nuit. Si vous arrivez à les trouver, j'en ai caché une coupe de canettes. Vous aurez compris que Camille, tu partageras ce moment-là avec Carl, comme tu l'as vu dans la vidéo. Et Alexandre, tu découvriras avec qui tu vas vivre ce moment-là directement dans le noir. J'ai pas compris le concept. Non, je sais que je rigole. Ouais, je comprends. Ouais, je pense que c'est... Ouais, je comprends. Ophélia, je suis là, je suis derrière la porte. Tu veux-tu me parler? Non, mais tu sais, c'est correct. Mais Camille, je suis vraiment contente pour mais toi. Mais je sais. Juste que, genre, je me demande ce que je fais ici, puis genre, ça sert à quoi d'avoir des top 1 puis des coupes quand ils font... Je trouve que c'est n'importe quoi. Je sais, ma belle. La dernière activité que Carl a eue, mais il l'a eue avec Camille. Puis il y en a un autre avec Camille. Mais Camille, ils savent qu'il n'y aura rien ensemble. C'est des amis, oui, c'est nice, oui, c'est bon pour le jeu, mais comme... J'aimerais juste avoir un moment de qualité avec la personne qui est comme mon top 1. Puis en bas du monde en top 2, mais moi, j'ai un top 1. Est-ce que je peux avoir du temps avec mon top 1? OK, attends, est-ce que tu m'entends? Je vais te toucher. Je vais te toucher. Okay. Salut! Ça va bien? Et toi? On peut se faire, on peut se faire une cote. Oh, allô! Pour vrai, moi, j'avais hâte de passer un moment avec Carlou. Mais on va chercher les boules de nuit, là. On les cherche tout? Ben oui, parce qu'on n'a pas de boisson. Avant de commencer toute discussion, c'était mission trouver les boules de nuit. On va les trouver. Ça, c'est une joke. Non, mais... C'est quoi cette activité-là? C'est bien hot! Carlou, c'est où la droite? Oh, j'ai trouvé! Wouhou! Pour vrai, je me suis quand même sentie au secondaire. J'étais à quatre pattes dans le noir, puis j'essayais de trouver de l'alcool. Les messagers se retrouvent. Ouais. Je comprends pas pourquoi faut manger avec une louche. Avec une louche? Oh my God, c'est bien une grosse louche, cette affaire-là. C'est quoi, ça? Je sais pas. C'est même mou. Mais... C'est quoi, ça, c'est une joke? Ils font manger avec une louche des baguettes. Non, mais... C'est quoi, ça? Il y a quelque chose de... comme visqueux. Je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que t'en penses de Kev puis de sa soudaine tournure envers Jen? Ben, j'étais même pas au courant de ça. OK, veux-tu qu'on en parle? Ben, je t'écoute. Aïe, aïe, c'est bien piquant, ça, c'est fun. Au 5 à 7. Apparemment, il y a eu une tension sexuelle entre les deux. Ce qui a fait... Ouais. Ouais. Ça, c'était juste après que j'avais dit à Kev, non Kev. Après, je sens tellement ton verre en ce moment, puis je sais exactement ce que je pense. Alors, suite à ça, Kev a dit à Jen que son arrivée l'avait pas laissé indifférent. Wow, OK. Ouais. Pourquoi vous l'avez pas mis dehors? Pourquoi Étienne? Moi, je voulais mettre Kev dehors. Mais si je veux mettre Kev dehors, Jen a trippé sur Kev fois 1000. Encore? Oui. Mais qu'est-ce que Jen comprend pas, qu'il veut rien savoir? Au party, il a essayé d'embrasser Jen. Je l'ai dit au gars. Me semble que j'ai vu ça, puis les gars, ils me disaient non, non, c'est sûr que t'as mal vu. Je me semble que j'ai vu de quoi. Jen, elle a résisté. Mm-hmm. Ah, c'est bon, ce show-là. Mm-hmm. Si je dis trop, on élimine Kev, ils vont dire Camille, sois pas méchante envers Jen. Jen, elle veut le garder. Je veux juste te dire comment on pense en ce moment. Oui, dis-moi. Là, faut que tu gardes ça entre toi et toi. Non, c'est... je veux juste parce que si ça sort, non, 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 pas que je sois moi en danger. Non, non, parce mais que pas je pas de trahir, t'es mon messager, t'inquiète. Parfait. C'est... Moi, je pousse fort pour qu'on dise ciao, bye, Jen. Puis on est quatre à date à dire ciao. Puis l'affaire aussi, c'est que, tu sais, elle me parle quand même beaucoup de sa famille, que sa famille lui manque. C'est triste, parce que je l'aime, Jen. Mais il faut que le jeu continue. En même temps, Kev, il a dit à Jen qu'il voulait se faire éliminer avec elle. Alors qu'il m'avait dit que si je partais, il partait aussi. Eh hey, bonne! Non, mais c'est parfait, non? T'es un menteur! Kev, c'est comme une gomme en dessous de ton soulier. Tu partout, et puis il s'enlève pas, il reste là. Oh, c'est lourd. Mais qu'est-ce que tu penses du top 4 que je t'ai dit? Est-ce que t'es d'accord avec ça? Ah, le top 4, c'est Louis et moi, Carrie et Alexandre, Ophélia et Carlou, et Claudie et Mathieu. On veut se débarrasser des autres. Moi, je suis bien d'accord. J'espère que cette année, c'est quatre en finale. Mmh. Je l'espère. Mmh. Ou peu importe. Ouais, à chaque semaine que je reste ici, je suis vraiment content. Ouais. C'est là que nous, le top 4, on rentre en jeu. Je suis tellement heureuse. Pour vrai, je... Ça, tu pris ma canette, toi? Ouais, un peu. Hey! Carlou! À venir à Occupation Double. J'habite même pas avec, puis je suis tannée d'entendre parler. Parce que... Kevin, ça me gosse. C'est vrai. Puis il a dit que si elle s'en allait, il s'en allait lui aussi. C'est un bébé! Merci à nos partenaires.
Bulle de nuit. Sky Blue Condo, Cité Mirabel. Le couple gagnant se méritera un grand prix d'une valeur totale de 450 000 $. Première chose que j'ai besoin de faire. Ça vient de Carlo. Les gars, on est dans la merde, là. Il va falloir qu'on se parle. Pour vrai? Y a-t-il des trucs qui sont sortis qu'on n'est pas au courant, mettons? Pour vrai, t'sais, surtout sur Kev, c'est comme. Encore. Qu'est-ce qu'ils ont encore à dire sur Kev? L'autre affaire. Tu sais que j'avais dit l'autre jour que je pensais que j'avais vu Kev embrasser Jen. C'est vrai. C'est vrai. Ah! Il me dit, tu sais, Kev, mais en fait, tu comprends pas qu'un gars qui arrête pas de dire qu'il va partir, part pas. Il me dit, ouais. Il a dit qu'il partait genre 10 fois. Ah ouais? Moi aussi, je l'ai dit, puis je suis pas partie, je suis. C'est pas fini! Là, maintenant, Jen, elle retombe avec un top 1, puis c'est Kevin. Non! Puis là, il a fait une déclaration d'amour. Puis il a dit que si elle s'en allait, il s'en allait lui aussi. Yeah! C'est un débile! C'est ça, c'est bien! C'est gros! Kev, il m'a fait une lettre d'amour avant même que je rencontre Louis, là. Le jour où je l'ai dit, que j'avais dit qu'il y avait des rapprochements, même pas le jour où je dis que c'était fini, il a ouvert la lettre, puis il l'a lu à tout le Québec. Ta gueule! Il savait pas que Jen allait revenir? Oui, mais quand Jen est revenue, là, j'étais encore avec Louis, là. Ouais, je sais bien. Là, j'ai dit vers où qu'on voulait s'orienter pour éliminer, mais faut quand même garder ça secret si on veut faire ce move-là. Grosse alliée, Camille. On peut pas le dire à toutes les filles. Non, parce qu'il y a beaucoup de filles qui aiment Jen. Josée, elle aime Jen. Alexandre, elle aime Jen. Jen, elle adore Jen. C'est fucked up! Je vois rien. Hello! Ça, c'est Matt. T'es énervé de même? Non. C'est Lulu. Ah, c'est au début, elle pensait que c'était Matt parce que j'étais arrivé bien énervé. J'ai genre fait hey, salut, ça va? Finalement, c'était lui, mais lui aussi, il est autant énervé dans la vie. Première chose, Alex, oui. Faut trouver des bulles de nuit. Oh, oh! T'en as déjà trouvé, toi? Il y en a deux, fait que là, j'en ai une. OK, ça, c'est un pain. C'est fait pas ça, c'est la sienne. Ah, oh, j'ai l'autre. Ben, voyons donc. Yeah. Celle que tu m'as trouvée, je l'ai perdue. Elle est là. Non, check, lève les bas. Elle est ici. Oh mon Dieu, t'es mon sauveur. Une chance que Louis était là parce que je pense que je serais encore en train de chercher. Hey, cheers! Non, c'est ça. C'était le cheers le plus awkward ever. C'est quoi qu'on mange? C'est une genre de soupe au ramen, je pense. On dirait que j'ai peur. Je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai peur de la manger. Ah, je savais pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime se voir ce que je mets dans ma bouche. C'est vrai? Ouais, mais non, pas aujourd'hui. Hey, je suis contente de ça, toi. Moi, tout. Vraiment ouais. Content, pour vrai. Vous autres, hier, c'était chill. Ça a pas été trop stressant. Je pensais que c'était Kev qui allait partir, moi, hier. À chaque semaine, ça fait peut-être 3-4 semaines, Kev, il est tout le temps sur le bord de partir. Puis là, ça gosse, mais genre, il réussit tout le temps à se faufiler. Puis ça, ça commence à m'énerver. Honnêtement, les gars, là, je te ferai pas de mensonge qu'ils sont comme tannés de l'entendre. Mais, de toujours... Hey, dude, moi, là, j'habite même pas avec, puis je suis tannée d'entendre parler. Parce que. Kevin. Il est tout le temps en danger, il est tout le temps sur la table d'illumination, il peut-tu pas. Mais moi, je l'ai. Mais tu comprends, je veux pas être négative, mais ça me gosse. Puis Jen. Jen, son top 1, c'est Kev. Mais Jen, là, pour vrai, j'enlève rien. Elle, là, elle est juste tellement honnête. Elle, depuis le début, elle trippe sur Kev. Mais y a-tu redit quelque chose à elle? Ben. Il fait des accrocs. Parce que ouais, là, c'était Camille. Kev veut rester, là, on s'entend. Il y a deux semaines, il broyait sur Camille. Ah, non. Tu sais, à Manis, parce que c'est bien beau. Je te dis, moi, j'ai confiance que Jen a des sentiments pour Kev. 100%. Mais moi, je crois pas que Kev a des sentiments pour Jen. Kevin, ça fait comme 3 fois qu'il change de fille, puis là, c'est rendu qu'il essaie avec Jennifer. Tu sais, je veux dire. À Manis, là, c'est parce que ça fait le tour, là. Question random de même. Est-ce que tu as eu un coup de foudre avec Cam? Elle a dit qu'elle a un coup de foudre avec toi. Ouais, je sais. Ben oui, j'étais vraiment content. Mais, tu sais, non, mais où est-ce que je veux en venir, c'est que, tu sais, moi, la vie, le coup de foudre, genre, je l'ai jamais vécu, fait que je sais pas c'est quoi, mais Camille, puis moi, ça a été juste naturel, là. Ouais. Fusionnaire, genre. Ça, la vie, mais le coup de foudre, tu sais, moi, pour moi, un coup de foudre, je l'ai jamais vécu. J'ai jamais vécu un coup de foudre. OK. Mais c'est. Ah, ben, je suis contente qu'on s'entende là-dessus. J'ai été contente de voir qu'il était quand même un gars terre à terre. Si on se voit un peu dans le futur, là, tu sais, j'ai comme le sentiment que. Je sais, en tout cas, que les boys, tu sais, Matt,
puis Carl, ils ont vraiment hâte de revoir Carrie parce qu'ils aimeraient vraiment ça qu'ils se retrouvent en finale, genre, avec les trois. Pour vrai, on termine ça là-dessus, juste que tu saches que Carrie puis toi, je vous ai dans mon cœur, même si Carrie n'est pas dans la même maison que moi. Puis je suis sûr et certain qu'on va avoir une super de belle aventure ensemble. Oui. Puis, ouais. Sur ça, je te souhaite une super belle soirée, puis tu frencheras Camille de ma part. Peut-être pas le French, mais je vais donner un beau tu comprends ce que je veux dire. T'as, tu donnes une grosse colle. OK? Oui. Attention à toi. Quand il est okay, qu'on n'est pas sorti Kiev, toutes les gosses sont qu'on est sorti Kiev, puis moi j'étais à Kiev. Je peux pas trop dire que je veux aller Kiev, parce qu'après je vais avoir l'air de la grosse qui protège pas mon ami Jen. Mais j'ai déjà essayé, mais que moi, je suis un peu genre en eau chaude quand je parle de Yimmy Kev. Parce qu'après j'ai l'air de. Ouais, mais après ça va juste être facile. Tout le monde va voir que Kev part. Ouais, parce qu'il est pas attentif. Mais c'est ça. Puis c'est tout. Demain soir, 18h30, les gars s'improviseront photographes puisqu'ils devront prendre les filles en photo. Et attention, la meilleure mannequin d'un jour aura la chance d'aller passer une nuit dans la maison de l'amour avec le gars de son choix. Si vous avez un peu de temps libre cette semaine et que vous voulez vous gâter, vous pouvez vous payer du bon temps au spa ou encore mieux, réécouter les émissions de OD sur occupationdouble.nouveau.ca. En plus, c'est gratuit, t'sais! À table avec mon ex, suis à l'instant. Bonne soirée tout le monde. Demain, à Occupation Double. Fais-moi un bisou, j'aime ça. Regarde-moi de manière sexy. Ah ouais, ton petit sourire. Je suis pas assez sexy, c'est ça? Oh non, t'es vraiment sexy. Petite Kevin, mal. Je veux pas y aller avec lui, je veux pas y aller avec lui, je veux pas y aller avec lui. C'est dur, là.